Good afternoon, race fans, and here we are again for qualifying at the Hungaroring. Who will have tuned the perfect setup for their car? We'll find out soon. I've got a feeling that Lewis Hamilton might dominate this weekend, especially considering his incredible track record round here. He really loves this track, doesn't he? He's a four-time winner here, so if he can get on the front row of the grid, I think he has a wonderful chance to make it five. Okay, you should be able to get into the next qualifying session easily, so try to get a hot lap in early so we can save the tyres. Tu me dis de démarrer en médium pour la Q1 et j'allais partir avec les tendres. D'ailleurs, on n'a pas vu l'usure des pneus, malheureusement. Sur les options, est-ce que j'ai encore l'opportunité? Non, je peux même pas les voir, tant pis. We'll make the changes you requested. Allez, on est parti pour la Q1. Essayer de bénéficier de la speed Rosberg qui, s'il n'est pas dans un tour de rentrée au stand, devrait pas nous gêner vu la rapidité de la Mercedes. On devrait plutôt justement bénéficier de son aspiration tout le long du tour. C'est un petit peu trop près du rail là, va falloir se méfier. You've been moved down to P6. Pastor's above you in qualifying, you're 4/10 down.
Your times through the final two sectors are purple, but you're losing a little through sector one. Bon, on va rentrer au stand, on va pas forcer plus. Alors, l'objectif du team c'est de me qualifier au moins 7ème. On va tâcher de faire quelque chose hein, dans ce sens. Alors, à 50% les médiums ont une durée de vie maximum de 15 tours et de 10 à 12 tours pour les tendres. Donc, on sera une stratégie sur 2 ou 3 arrêts. Selon ta façon de gérer les gommes, ok. Maxence, faut être dans les 15 premiers pour se qualifier en Q1. Non, Q2, ouais. Et pour l'instant, je suis 9ème. Alors ça va un peu mieux Cyril, c'est pas encore l'américain, on n'est pas au niveau de la tenue de route d'une Ferrari ou d'une Williams, mais ouais c'est pas mal. Je pense qu'il faut pas s'attendre à des miracles avec cette voiture. Hein. Pour l'instant, les chronos qui n'ont pas l'air de trop bouger. On voit sur le graphique hein, que je suis plus rapide que le 7ème qui est Max Verstappen. Lapsus. Dans le secteur 2 et le secteur 3. Ce qui veut dire que si j'améliorais mon secteur 1, vu que j'avais commis une erreur sur le secteur 1 d'ailleurs, j'aurais pu potentiellement aller chercher la 7ème place. Mais bon, on va pas s'exciter non plus, hein, y a pas de quoi s'affoler hein, pour l'instant. Alors non, Maxence, c'est vrai que je ne suis pas l'IndyCar, ça m'intéresse, mais j'ai pas eu l'occasion de vraiment me pencher dessus et de regarder, je saurais pas te dire ni quand est-ce que ça passe et... Mais c'est dommage, hein, parce que c'est une discipline qui est sympa. Hein. Donc la 9ème position qui a l'air de vouloir tenir. Et le ciel qui a tendance à se couvrir. Salut Florian, bienvenue sur le live. You can see the disappointment in the garage as Kimi Raikkonen is unable to make it into qualifying 2. He's going to struggle to get into the points tomorrow from there. Coup de théâtre dans cette Q1, donc on a l'habitude de voir les manors hein, disons éliminés des Q1, mais coup de théâtre, c'est Kimi Raikkonen qui a pas réussi à placer sa Ferrari dans Q2 et qui partira donc de la 18ème place. A-t-il eu un souci technique sur sa monoplace ou a-t-il eu un accrochage, je ne sais pas, en tout cas on n'a pas vu de drapeau jaune ou quoi que ce soit pendant la séance. Donc c'est assez surprenant, on a Felipe Nasser aussi qui est éliminé, Pastor Maldonado, mon coéquipier. Dani Kiat est passé juste de l'élimination de Q1, on voit que l'écart avec Maldonado n'est pas exceptionnel. Et devant on a Marcus Ericsson, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Massa, Hülkenberg,
Donc, ouais. Peut-être un souci mécanique, ouais, comme tu dis, hein, Cyril. Non, c'est pas sûr. Par contre, pour la Q2, tu devrais faire comme Tigouda, mettre le minimum de carburant pour te qualifier sur une tentative afin de préserver tes pneus pour le départ de la course. Effectivement, c'est une très bonne idée. Et j'y pense pas forcément à chaque fois, mais c'était une excellente idée. Comme d'habitude, hein, de toute façon. Par contre, du coup, comment je peux changer le carburant, Cyril, pendant les qualifs? Parce qu'avec la règle du parc fermé, à part regarder le réglage, je peux absolument rien. Ah si, je peux le changer, tiens. Donc normalement, je suis avec très peu de carburant sur la voiture. Ah, le nombre de viewers sur le live commence à arriver, ça fait plaisir. Bonsoir à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur le live donc. Allez, on y va. On a droit qu'à un seul essai. Temperatures look optimal. Good job. That's P2. You're currently in second place. Regardez si ça améliore, mais à part les Mercedes qui pourraient venir m'inquiéter, là, on devrait passer en Q3. Bah, bonne fin de soirée, Florian. Merci d'être passé sur le live et bon courage pour les cours demain. Allez hop, meilleur tour. On va rentrer tranquillou.
Okay, the tank is pretty much dry now. We're down to the last kilo or two. We're running on fumes. Ouais, Cyril, je rentre au stand, je rentre. J'ai mis le mélange pauvre, on va rentrer tranquillou, sans trop pousser la voiture. Oui, je me suis fait plaisir ce dernier tour, c'est le cas de le dire. Allez hop, on ramène la voiture dans le stand. Donc actuellement nous sommes 11 sur YouTube, sur le stream et sur Twitch, je ne sais pas, mais c'est qu'il y a toujours un petit peu moins de monde sur Twitch. Merci pour votre présence. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux le lien du live, que ce soit sur le YouTube ou Twitch, comme vous voulez. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais, sur Twitch il y a bien moins de monde, mais en même temps Twitch comme ça déconne pas mal ces derniers temps. You're doing a great job. We're much higher up the field than we expected to be. Alors pour l'instant une opération qui se passe pour le moins qu'on puisse dire au poil. Donc ça c'est cool. That's definitely not what Nico Rosberg was aiming for at the start of the day. But we might see a lot of overtaking from the German driver tomorrow. As for now, he's gone out in Q2. Eh ben décidément, des qualifications qui sont vraiment très surprenantes, hein, puisque parmi les éliminés de Q2, on a Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, bon ça à la limite, mais on a Nico Rosberg hein, qui est passé à côté de cette séance de qualification, Carlos Sainz, Marcus Ericsson. Et donc les 10 protagonistes pour Q3 dont je vais faire partie, il y aura Sébastien Vettel, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Felipe Massa, Lewis Hamilton qui n'a fait que le 6ème temps hein, en Q2, Daniel Kvyat, Perez, Button et Verstappen. Bah écoute Cyril, c'est pas grave, hein, on verra bien hein, en espérant qu'il ne pleuve pas. Il va y avoir du spectacle pendant la course, ouais, c'est clair, hein, parce que vu que les gars qu'on attendait aux avant-postes sont pas présents, que ce soit pour Raikkonen mais aussi maintenant pour Rosberg du coup.
Et Button qui va être le premier à marquer un chrono, qui est suivi de près par Hamilton. Ils vont se gêner les deux. Hein. Bon, les pilotes sont en train de rentrer au stand, donc écoute Titanium Fred, j'espère aussi. On va tâcher de faire tout ce qu'il faut pour. On a déjà fait deux petites erreurs. Hein. Une 27-380, c'est le meilleur temps pour l'instant, c'est la pole et je doute que ça tienne jusqu'au bout de la séance. À mon avis, Hamilton va réagir. On les a vus tourner dans les 1.26, hein, les Mercedes, donc on sait de quoi elles sont capables. Sitting in pole position right now. Great work. Allez, on va rentrer au puits. On a amélioré 2 dixièmes notre chrono. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de pouvoir bouger, donc on va rentrer au stand tranquillement. Et puis avant la course, je vais aller me chercher à boire, hein, parce que il se fait soif.
je reviens de suite. Alors, les amis, ça fait du bien de boire un petit coup. Et la séance de qualification est terminée, donc ça sera la pole, une première pole cette saison. Donc ça augure une belle course en espérant qu'il n'y ait pas de problème pour la course. Mais donc, du coup, on partira en pole. Lewis Hamilton est derrière nous. Ensuite, on avait Vettel 3ème, Button 4ème. Attention, la McLaren qui a été très efficace sur ce tracé, qui a réussi à se hisser devant les Williams de Bottas et Massa. Kiat qui part 6ème, Ricciardo son coéquipier 8ème, Perez 9ème, Verstappen 10ème. En tout cas, merci du compliment à tous ceux qui m'ont mis un petit message par rapport à la pole. C'est vrai que ça fait super plaisir. Première pole de la saison. Donc on va tâcher de...